Et rebonjour YouTube, et c'est le bordel. Putain, mais ça prend zéro de dégâts cette merde. Oui. Désolé. J'ai mis des coups comme ça dans la tronche avant en mode. Ouais, celui-là il prend tellement pas de dégâts. C'est quand même bizarre. Hein. Ces bestioles sont quand même chelous. Y'a quoi par là? C'est un truc d'éclairage. J'imagine les mecs en fait, tu sais, d'avoir entendu des bruits de tir, mais ils voient pas ce qui se passe. Il y a des scientifiques alors au-dessus. Je vous en prie, ne faites pas ça, laissez-nous tranquilles. L'humidité est vraiment difficile à supporter. Sur qui ils parlent? Bon, ça c'est fait, hein. Bon, je pense que je peux y aller en mode... Écoutez, je retire ce que j'ai dit sur vos tenues, elles sont très chic. Ah! Je crois qu'il n'a pas eu une idée vraiment explosive, le mec. Putain. Est-ce qu'on peut aller chercher le cadavre du mec là qui vient de voler? On va voir, hein. On va voir. Clé de contournement, on a ça. Ah, putain, c'est lui. Putain, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui est en train de s'envoler, là. Salut, ça va? Je te dérange pas, j'espère. Regardez les non-dégâts de cette arme. Et il fait mal. Lui, il fait tellement mal avec son truc qui... Avec son truc à acide, il fait tellement mal ce con. Franchement, sac à merde, meilleur perso pour le moment du jeu. Le mec, il est tout content parce qu'il a... un robot qui s'appelle Sam, quoi. Armure lourde. On a des casques ventilés V3. Peut-être pouvoir changer de matos. Soon. Il y a des trucs bizarres là-bas. Cartouches d'octo, des trucs de terminal. De l'alcool. Un collier, monsieur Puis. Ok, kit techno, à lance-flamme. Casier, ok. Bon, pour le moment, voilà, c'est plutôt calme. Il y a une fuite chez vous. Un pistolet V2. Faudrait que je voie ce que ça donne par rapport au V1 qui était nul à chier, hein, si vous vous souvenez. Données de recherche. Ok, transférer les fichiers vers cassette externe. Vous avez obtenu données de recherche de l'ULD. Ok. Enfin, l'UDL plutôt, l'ULD. Alors, pistolet V2. 320 dégâts par seconde. Ok, c'est mieux que ça. Lol. Sable de sentinelle V2. Alors, lance-flamme est toujours pareil. Ça change pas. Ça tire en rafale, en fait. Non. J'aurais pensé que ça tire en rafale, parce que 320 dégâts par... 320 DPS, c'est quand même beaucoup. Hein. Petite carabine à plasma.
Alors, personnage. On est à quoi? On est à 26 et 19. Alors, on a 21 pour les trucs. Et on a 16. Ouais, c'est pas. Pour le moment, ça vaut pas la peine. Clairement pas, ça vaut pas la peine. Petite mitrailleuse lourde. Ça peut faire plaisir, ça. C'est celle-là que je vous disais que je pensais pas que je l'avais jetée. Mais apparemment, si. Yes, qu'est-ce que c'est? De recherche des rues, une petite confinement de l'arme gluante. Ah, mais c'est le truc là que ça nous avait dit là. Il y avait une arme gluante, je sais pas quoi. Pour confirmer que vous êtes un expert en sécurité habilité par UDL, là, vous assistez à une réunion d'entreprise au siège de HHC à Byzance. Et des dissidents hostiles attaquent le bâtiment. Se mettre en sécurité. Protéger le président. J'en sais rien, moi. J'irais protéger le président, mais. Bonne réponse enregistrée. Ok. Contrôle de sécurité obligatoire. Vous parcourez une de nos nombreuses méga brochures destinées au personnel de. Et profitez de sections des documents de conférence. Ce qu'un inconnu vous approche. Il fait une remarque déplacée qui pourrait être considérée comme une insulte indirecte envers le président Rockwell. Le réprimander fortement pour. Il fait une remarque déplacée qui pourrait être. Sourire et partir, lui demander. Lui parler pour évaluer ses attentions. Oh. Bon, alors du coup, protéger le président. Réprimander fortement pour défendre l'honneur du président. Bah oui, bah on va faire ça sur le président. Hein. Vous et votre conjoint vivez une relation durable et épanouissante, mais vous découvrez un jour qu'il a des histoires interdites. Qu'il ou qu'elle lit des histoires interdites à vos enfants. Bah voilà. Comment dire? Détruire les histoires et interdire à vos enfants d'en parler. Arrêtez votre conjoint d'envoyer vos enfants dans un problème de rééducation. Donner les histoires. Rééducation. Direct. Utilisation du prototype d'armes de dispersion de foule. GL09 a été autorisé. Ça sent le lance-grenade. Parce que GL, grenade launcher, obligé. Yes! Service de recherche et développement des armes de Josh. Armes scientifiques. Les armes scientifiques sont des armes uniques aux effets aussi puissants qu'étranges. Zigo, cette arme. Bon. Je peux pas aller où ils étaient là, les sorties là. On va remonter. Il doit bien y avoir une porte, non? Pour monter. Moi, je suis arrivé là. On peut pas monter là sur le toit? Des caisses, on va pouvoir. J'aurais dit ici, mais sauf que bah y en a pas. Bon allez, fuck it, hein. On a déjà perdu assez de temps. Le papillonnage. Alors, on a 400 mètres par là. J'ai pas vraiment fait attention s'il y avait un petit passage avant de décaler par ici. Donc on va voir avec notre lance-grenade chelou là. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Faut juste que je fasse attention aux mines qui sont au sol, par contre. Mais ouais, c'est le seul bémol de jeu, c'est qu'il manque des musiques. 500 mètres par là. Ça manque de musique. Ça sent la merde qui t'attaque quand tu passes trop près. J'ai aucune idée de s'il y a un truc à faire par ici. On va activer les quêtes. Radio libre. 300 mètres par là-haut. Les armes du grand vide. Fouiller le terminal d'Alton à la recherche de la 10. Ok.
Affaires de famille. Ça, c'est les Tucker. Truc de Toastball. Est-ce que c'est dans environ? Non. Ingénieur affolé, je m'en bats les. Hein? Faites en sorte qu'il va partir. Ok. Ah! Parler à Lilia Alien. Sur le pont promenade du précurseur. Ah. Bah, on va aller par là, on va faire tout le tour. Hein. C'est trop joli, franchement. What? Qu'est-ce que c'est que ce genre d'arme? Il est où Michel? Oh, c'est trop stylé! Regardez, il s'envole! Regardez ça! Ah. En même temps, un tir de sniper à plus portant, ça doit piquer un petit peu. Ouais, c'est cool. Cette arme peut être marrante. Imaginez quand il y a un gros groupe d'ennemis au même endroit. J'aime bien ce genre de truc. Le Voronoid. Voronoid. C'est le nom de ce type de forme, les gens. Alors. Je suis où? Y'a quoi là? Là, c'est Fallbrook. Il m'a pas dit que je devais aller, genre, à cet endroit-là, à Fallbrook, là? À Fallbrook. Défense, persuasion, dialogue. On va mettre un petit peu de peau à partout. Ouais. Voilà. Allez hop. On accepte. Les avantages, on s'en fout. Ok, on va aller par là. Je vais juste avancer histoire de découvrir Fallbrook. Mais bon. On a entendu le bruit, mais vu qu'elle parle, bah voilà. Alors. Mais cette arme. Cette arme, franchement, pue la merde. Il n'y a rien à dire là-dessus. Cette arme pue du cul. Mais à un niveau. Je peux y aller avec ça aussi. Ça fait de marrant. Mourez! Ah, je me suis trompé de touche. Le mec il tire en mode à l'arrache, mode ah! Hop, 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 hop. Oh, il est pas mort, je suis déçu. Mais dès qu'il y aura plusieurs ennemis qui vont être, comment dire, à côté de l'autre, je vais m'amuser avec ce genre de pistolet là. Alors, petite clé de contournement. Lui. Casque exo reconditionné, tout ça, tout ça. Il y a Manotizor. Mantizor. Ouvrier. Oh oui!
Regardez ça quoi. C'est tellement stupide en mode bleu. Viens, envole-toi. Non, vilaine. Vilaine bestiole. Ça va. Pendant que je m'amuse, eux, ils se sont saucés les autres. Hein. Ah là là. 300 mètres par là. J'adore, obligé, il y a des ennemis. Je sais pas avec quoi jouer en fait. Et lance-flamme, c'est cool aussi, mais c'est vraiment bon que quand. Infirmité, segment. Ouais, il a tout, de toute façon, il va mourir. Le mob avec tous les malus possibles du monde, sur la gueule. Regardez ça, comment ça pue la merde, cette arme là. Ouais, moi si je peux le faire là. Allez, meurs. Où ça pique? Où ça pique? Où ça pique? Non. Ah putain, non. J'ai appuyé sur le truc, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être le temps, tu vois, avec en appuyant sur le bazar pour ralentir le temps et tout. Eh ben non, je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer. C'est bon. Ouais, ça va. Ça brûle un petit peu, mais ça va. Mec, ah. C'est un peu chaud derrière les oreilles, mais ça passe. Ah. Ça par contre c'est trop bien parce que ça permet de temporiser mais de ouf. Vas-y fais-le fondre. Vas-y fais-le fondre. C'est le mec qui s'amuse tu sais. Genre il t'avait mangé. J'avais même pas vu qu'elle était au sol à cet endroit là en fait. Dans ma tête je me suis dit ah oh, ça va il a mangé. Pourquoi mon perso est si lent? Je suis overweight. Yes je suis overweight. Bordel. Il y a peut-être une machine pour vendre des trucs ici non? Une espèce de village. Mec je suis overweight vas-y. Continuons à ramasser des trucs. Le mec n'a pas trop compris. Piu. Hmm.
Je doute fortement que je trouve une machine pour vendre des trucs ici. Sam. Comment je fais pour lui donner des trucs? What's up? Apparemment, on peut leur donner quelque chose, mais. Poser des questions, ça vous dérange, j'ai retourné le vaisseau. Pareil que vous avez plein d'anecdotes. Non. Comment on fait? Merde. Comment on fait pour leur transférer du matos? C'est ça, c'est mon truc à moi. Le bonus de capacité de transport de vos compagnons. Ouais, mais ils sont gentils, mais. Comment je vois son inventaire à elle en fait? C'est comme ça. Voilà quoi. Si quelqu'un sait comment on fait. C'est moi là. Comme ça, je bloque. Bon, on va acheter un truc. Hein. Jetons quoi? 63, 44. Vas-y, on va acheter ça. Q. Q. On va acheter les trucs qui servent pas à grand chose. 200 balles. Yes, Q. Carabine à plasma, je vais la garder. Franchement, le lance-flamme, ah, pour ce que c'est. Voilà. Ah, il y a peut-être un terminal là-dedans. C'est scellé, ok. Code d'accès à la station nécessaire pour. Ok. Station relais, code, tout ça. Evicted. Il s'est fait expulser, le mec. Comme le dernier des paysans. Ah oui aussi, sinon pour ceux qui veulent, n'oubliez pas que vous pouvez voir les rediffs sur YouTube, hein, pour ceux qui sont sur Twitch. Donc un petit peu de délai, mais l'image est plus belle sur, sur YouTube que sur Twitch. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas. Hein. Pour ceux qui regardent déjà sur YouTube, voilà. Grotte du pic du diable. We can head up this path if you want to shoot your way through a few nightmares on your way up. Oh oui. Je ne me voyais pas. Je ne suis pas là. Oh, il y a la tête qui s'est décrochée du reste du corps. Ça, c'est pas grave, c'est le robot qui brûle. Ne vous inquiétez pas. C'est qu'un robot, hein, un toaster, on s'en fout. Hein. Mantre régalienne. Putain, elles sont bizarres. Regardez cette tête chelou là. Cécité, affirmité. Y a pas exécution là. J'adore exécution. Elle est où? Là. Qu'est-ce que c'est comme type d'arme qu'il faut pour cela là? Au pire je fais avec ça mais. Wouah! Qu'est-ce que c'est que ce fuck?
Oh, ok, d'accord. Saleté. Alors. Où est la grosse bébête là? Anti-carapace, putain. J'en ai marre d'être overweight non-stop. 17-7. Q, démantelé, oui. Démantelé, oui. Franchement, faut qu'on trouve quelque chose qui va nous, qui nous permettrait de, comment dire. Il nous faut quelque chose qui nous permet de vendre tout ce bordel là, parce que là, ça devient n'importe quoi. C'est moi ou il y a la bestiole qui se bat contre ça? Ou alors elle est en train de les manger. Les rats qui sont massacrés, ces tas de soufre ambulant. Ah, et mon arme qui va bientôt casser. Mais putain, mais passe pas devant, toi. Genre les trucs là au bout qui m'ont vu quoi. Oh. On peut la ranimer l'autre cruche là. Merde. Oup. Putain, mais c'est quoi ces flammes là qui durent 2 ans et demi? Ah non. Non. Je t'ai dit vilaine bestiole de merde. Fous-moi la paix. Allez, crève. Non, 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 non. Ah, ça commence à faire mal par contre, les bestioles. Le feu qui dure 10 minutes en plus. Hein. C'est bon, vous pouvez vous relever. Ah, il y a ma combinaison qui a pris cher. Il y a Père Neuf, comment vas-tu? Ma combi qui a pris super cher. Faites-moi penser à réparer mon stuff après. Oh putain. En grattant à peine la surface de la tombe de Aïe. Aïe, aïe. Vous trouvez une petite bois-boîte. La rouille a dévoré la charnière et le bois. Presque. Et le bois est entièrement pourri. Enfin, presque entièrement pourri. La tombe en miettes entre vos mains et vous parvenez à en sortir. Mais d'ailleurs, un argent terni portant l'inscription Charon. Charon. Et sur le gage, sur la tombe, le truc. 4000, ok. Bonjour. Tu es le type le plus altruiste que j'ai jamais vu. À vrai, ça, c'est une grosse perte pour Alkyon. Bon. Si on veut faire sortir la mordre égalée de son trou, il faut qu'on trouve. Demander de l'aide à Hiram. Ok, il est temps qu'Hiram nous renvoie l'ascenseur. Moi, du contrat avec ULD. J'ai besoin de leur aide.
The queen ain't just gonna come out on her own. She'll have dug tunnels into the mountain. I've got theories about how to lure her out, but Anders would know for sure. Uh-huh. I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was... C'était il y a deux semaines. Vous n'avez pas essayé de les retrouver. J'aurais dû, oui. Mais peu de temps après leur départ, hey, les autres sont morts. Bah oui, forcément. Et entre nous, une fois qu'il était plus là, j'ai arrêté d'essayer parce que ça faisait trop mal. L'alcool vaut tous les amis de l'univers. C'est pas totalement faux, mais de temps en temps, quand j'arrive même plus à compter les bouteilles, les gens qui est, je commence à me poser des questions. Bon, ça va. Peut-être qu'une nuit, j'attraperai mon flingue au lieu d'une bouteille. Le mec, nia. Ça va? Tu vas bien toi? Scanning for C. Thank you, Sam. Ok, bon. 300 mètres par là. On a un informateur à 300 mètres ici et on a notre truc de par là. On peut monter? Il y a une caverne aussi. Je sais pas pourquoi ça nous dit qu'il y a une caverne à 200 mètres et un truc à 300 mètres. On va d'abord aller voir la caverne hein, et puis on verra si on arrive à avoir un truc bien. Ouais, dès qu'on trouve une comment dire un établi, faut que je répare mon matos. C'est bon. Là, c'est pas ouf. Hein. Petite sauvegarde. Pa-pa-la-pa-la-pa-la-pa-pa. Ah, cette texture dégueulasse qui charge mal. Oh non, pas encore les essais là. Ça fait trop mal cette merde. Je crois que t'as la tête dans le brouillard, meuf. C'est le truc ignoble sur le visage. En mode, je vois plus rien, putain. À 30 mètres en dessous de moi. Eh lol. Mais ouais, pourquoi est-ce qu'il veut qu'on ait... Ah, réseau de cavernes creusées dans la roche. Attention, la montagne, le sentier périlleux. La façade. Ok. On va descendre, hein. Je vais éviter de me casser une jambe encore une fois. Par contre, c'est plutôt sympa le fait que bah, la vie remonte petit à petit. Bon, après, hardcore, ça serait pas le cas, mais. C'est plutôt agréable pour une fois de jouer avec un jeu qui n'a pas une trop grosse difficulté. De ouf. Scientifique. Transition vers grotte du pic du diable. J'aurais dû aller à derrière. Je vais y aller. Là, ça a l'air trop beau. Je vais aller vite derrière là parce qu'elle a dit qu'il y avait un bar, etc. Là au bout. Et s'il y a un bar, ben, il y a moi tout près. Et s'il y a un bar, normalement on a des machines pour revendre le bordel qu'on a sur nous. Ce qui pourrait être plutôt satisfaisant parce que c'est pas comme si on était Blood Axe. Un porc grillé rôti au-dessus d'un puits de soufre. Du porc grillé rôti au-dessus d'un lit de soufre.
Se calme. T'as la tête comment elle a volé. Restricted access. J'ai sauvegardé, hein. Zone interdite. Tout individu non autorisé à les zones interdites sera battu sans sommation. Vous pouvez combattre, avancer discrètement ou utiliser le voile holographique pour évoluer dans les zones interdites. Les amendes post-mortem seront payées par la personne vivante la plus proche du défunt. Ah. C'est là parce que le truc, tu sais, il nous prévient, mais après. Va et toi, R9. Ça, c'est bizarre, on peut pas rentrer de ce côté-là. On est obligé de rentrer par la grande porte. Bonjour. Scellé, ok. Où est l'entrée? Où les tup. J'imagine que ça doit être genre ici. Non. What the fuck? On a des maraudeurs. Je vais me faire le plaisir de buter parce qu'ils ne servent à rien dans la société. Voilà. Ce cri quand il meurt, c'est ah. Bon, souvent le truc, le jeu nous recommande en fait de suivre la ligne bleue pour arriver dans ces trucs là. Donc suivons la ligne bleue. Le truc c'est que là c'est un restricted access en fait. Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Là c'est bizarre. Fallbrook Humber 8 et Stellar Bay. Ah il y a un truc là, c'est cool mais... Grotte du Pic du Diable, usine de Porglier, croisement de Stellar Brook. Ça doit être ici en fait. Je vais voir si c'était là. Ça sera plus simple. Ouais, c'était ici. Donc c'est une usine. L'autre côté c'est une usine. Voilà pourquoi est-ce que... Pourquoi nous avions quelques petits problèmes. Spacer Choice, Diet Toothpaste. Salut, Mortimer Bell. Sublime, Salvage and Shipping. Yes, Death Stranding 12. Alors, est-ce qu'il y a des machines pour vendre des trucs là? Ouais. Buy now. Vendre, oui. J'en ai les trucs de merde. Alors, fusil tactique. On dégage. Ça dégage. Carabine à plasma, je vais la garder parce que voilà. Lance-flamme, il est nul à chier. Carabine plasma 156. Voilà. Générique plus 15, perspicacité moins 1. Au 0,10 en poids, donc ça va, c'est pas grave. Équipement anti-émeute et faceless, arme longue plus 7, ok. On est à 12K. Ça m'a 13K avec le rebut. On a tellement de bordel là. Truc qui pèse 2 tonnes, tu sais. Après, ça va, c'est du 0,10 à chaque fois. Donc, c'est pas. Normalement, ça devrait pas peser tant que ça. Je suis à 83. Ouais, on va partir sur le fait que c'est bien. C'est joli.
Donc leur truc est creusé dans une partie de montagne. Ça me fait un peu penser à Little Loplite dans Fallout. Malin, House of Hospitality. Merci Ayaiko pour le refab, c'est 17ème mois, comment vas-tu? Est-ce que on peut avoir un petit établi? Ça serait cool. Bonjour. Si vous avez un établi. Test de freedom. J'ai besoin d'un établi. Oh là là, c'est quoi cette ville là? Ils sont où vos établis? Je vais me faire tirer dessus parce que je vais aller dans des endroits que je suis pas censé pouvoir rentrer. Dry Goon and Sun Dry, ok. Ah, il doit y avoir un établi dans ce genre d'endroit là. Non? Même chez un marchand, il n'y en a pas là. Are you foutage de ma gueule? Apparemment oui. Apparemment oui, je suis condamné à ne pas pouvoir à réparer mon matos. Ça se voit qu'il y a beaucoup de polygones dans les environs parce que là, ça saccade un petit peu quand je marche. Quand je tourne ma vue surtout. Allez, carabine plasma. Ouais, vous devez le voir en fait que ça saccade. Ah voilà, ça va Yaiko. On me dab quoi. On a tout fait. On a fait tous les endroits. Voilà, hospitality. Vous avez découvert distributeur, ok. Ça c'est fermé. Clé de domicile de Fallbrook nécessaire pour déverrouiller, ok. Donnez-moi un établi, putain. Je veux juste réparer mon matos. Là. Yes. Ouh. État à 55%, ça va. Réparer cet objet. Qu'est-ce qu'il faut pour le réparer? 56%, dégâts, 89 à 99. Ah déjà, ça sera mieux. Vos pièces d'armes, c'est moins 12. Vas-y, on va le réparer. Voilà. Comme ça, on est bien. On a lui, on gagnerait. Ok, ça va. Réparer. Hop. Celui-là, ça va. Le casque... Le casque, franchement, il est bien. Par contre, l'armure, j'ai plus que 13 de trucs, là. Comparer. Retour, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 16, ça va. Petite modification. Est-ce que je peux rajouter un truc là-dedans? Installer une modif. Chargeur électricité, extracto vue. Dégâts post-armure infligé. Plus truc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Chargeur plus. Augmente la quantité de munitions contenues. Modifie le type de dégâts de l'arme qui devient électrique. C'est déjà électrique. Et là, ça devient plasma. Ouais, mettons ça. Hop Morgan.
petite mitrailleuse légère avec un type de dégâts plasma. J'avais même pas vu, j'avais récupéré celle-là. Ouais. Attendez. Mitrailleuse lourde. Pourquoi le truc me le donne? What? Elle est là, mais on... Quelqu'un capte pourquoi je la vois là, mais je l'ai pas dans mon inventaire. Je l'ai ici, mais je l'ai pas dans mon inventaire. Le fordoir vibre et ça je ne les ai pas. Quel est ce fuck? Elles sont pétées? Non mais pas, c'est pas des armes qui sont cassées. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Si quelqu'un sait pourquoi, parce que moi, comme ça, là, je bloque. Je sèche totalement. Mais non, c'est son... Je me touchais la nouille. Bah bravo, hein. Pa-pa-la-pa-la-pa-la-pa-la-pa-la. C'est quand même marrant qu'ils ont installé des lumières absolument partout. Et genre ils ont du mal à trouver d'énergie, des trucs comme ça. Mais ils ont quand même installé des lumières partout. Parce que c'est quand même plus joli. Voyage vers grotte de pic du diable. Bon, on va retourner là où on était. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Pour explorer la grotte. Voilà. Sans mauvais jeu de mots. Donc sur ce... N'oubliez pas, l'apocalypse c'est bien, mais pas trop, sauf si ça ressemble à ça, franchement, ça c'est cool. À la prochaine!